fiche. Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui je vais me refaire une petite session sur le même endroit qu'hier. Je vais un tout petit peu plus tôt, je dois être une heure plus tôt. Et j'ai vu pas mal de tapes hier. Donc aujourd'hui je vais essayer de les concrétiser. Voilà, on va essayer de faire un peu de poisson encore. Voilà, hier j'en avais fait un, mais j'ai eu beaucoup de tapes. Là je vais essayer de vraiment, si les poissons sont encore là, essayer de les optimiser un maximum. Voilà, en plus il y a beaucoup moins de vent, donc ça devrait être beaucoup plus simple. Je vais pouvoir aller tester 2-3 petits nouveaux spots. Ça risque d'être sympa. Bon allez, en tout cas, on se dit à tout de suite s'il y a du poisson. Allez, bonne vidéo les gars. Ah, décroché au Dark Slipper, bordel! Fiche. Yes. Oh, il m'a pris juste sur la bordure quoi. J'étais en train de le longer l'arbre. Vraiment. Il est venu me prendre juste sur la bordure. Je l'animais vraiment, ouais, au ras de la bordure quoi. Il a été séduit par le petit Dark. Petit Dark Slipper. Ça fait plaisir ça. Bon, il est tout petit mais bon, ça fait plaisir. Ok, allez, bisous mon gars. Merci. Ouh. Bon bah lui, il n'a pas eu peur, hein. Vraiment, j'ai lancé juste là, voilà, juste à ras de l'arbre, j'ai animé tout doucement sur le fond, et il est venu me prendre. Bon, bah, impeccable. Comme quoi, il n'y a pas besoin de forcément lancer à chaque fois le plus loin possible. Juste, je me suis dit, vas-y, je vais lancer sur la bordure, là, et puis, bah, ça a payé, donc c'est cool. Bon, allez, on continue. Nickel. Premier lancé sur ce spot. Un petit poisson. Nice. On va aller l'échouer tranquillement. Ouais, je peux peut-être l'échouer.
On va te dropper mon gars. Hop là, excuse-moi. Oula, hop. Petit one-up slim. On va te prendre par la gueule. Voilà, merci la technique de Amignac. Voilà, jolie barre, ça fait 35, nickel. Allez hop, tu vas repartir grandir. Nickel. Bon, par contre, je crois que mon one-up il l'a déglingué. Je crois que c'est officiel. Non, c'est bon. Je peux peut-être encore pêcher avec. On va essayer, je pense. Bon, c'est cool. Poisson sur ce spot. Nickel. Fiche, je crois. Oui, un tout petit alors. Il est venu me gratouiller plusieurs fois, je pense. Il est venu me gratouiller plusieurs fois, le coquin. Je sentais bien que c'était pas net. Oh, oh là 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 là. Le Dark Sleeper, il a disparu. Vraiment. Regardez les gars, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez les gars, le Dark Sleeper, il a littéralement disparu. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il est en train de se faire dessus. Je vais éviter de traîner. Le Dark Sleeper, voilà, je sais pas si vous voyez bien, je vais le tenir comme ça. Voilà, il a vraiment au fond de la gueule. Vraiment, il l'a pris et vénère, quoi. Hop, on va lui faire le décro. Allez, mon gars. Voilà. Non, doucement, doucement, doucement. Et voilà, impeccable. Et tu vas repartir à l'eau. Voilà. Impeccable. Super, ça. Bon, le petit Dark Sleeper qui fait encore ses preuves. C'est nickel. Puis là vraiment, c'était l'heure qu'il voulait quoi. Le truc était coffré, coffré, coffré. C'est impeccable ça. Nickel. Fiche. Ah, des crocs, merde. Fais chier. M'énerve. Mince, pas grave. Pendu dès la première descente avec l'Optimus, ça a pas traîné. Bon, c'est tout petit, mais poisson quand même. Je crois que c'est même Minus. Ouais, une clean souille. Viens par là, mon petit gars. Hop. Proche. Voilà, nickel. Et on te remet à l'eau, mon petit gars. Il a pris dès la première descente avec l'Optimus.
Ouh, il m'a mis une tape d'enfer lui. Il m'a mis une tape d'enfer. Oh, à la verticale. Oh la vache. Il m'a mis une de ses cartouches lui alors. C'était violent. Est-ce que je vais pouvoir te dropper par le fil sans doute. Ça va être un peu tendu mais. J'ai... Ah bah décro. Impeccable. Impeccable mec, t'es vraiment sympa. Ça c'est super. Oh il m'a mis une de ses tapes d'enfer lui à la verticale. J'y crois pas. Je vais peut-être vous mettre un ralenti du son de la canne qui a dû faire boum. En tout cas il est venu le prendre. Waouh. Ouf. Alors lui, il a pas fait semblant non plus. La vache. Un peu plus joli que les autres, je crois. Ouais. Ouais, c'est un poisson. Ouais, on va dire assez correct. Et il a pas fait semblant lui. La vache. Waouh. Il a pris d'une force. Boum. Comme ça. Allez, viens par là, gros. Ouais, un peu plus joli que les autres. Non, doucement. Il est des belles couleurs. Je prends une belle photo parce qu'il a, il est vraiment tout doré. Magnifique. Alors, viens par là. Hop les, dans l'herbe pour éviter que tu t'abîmes sur les cailloux. Bon, lui, il est plus joli. Voilà, 42. 42 tout rond ce bar pris au Dark Sleeper. Voilà, sur les derniers lancers de la session. Ah, il a pas fait semblant, il est joli. Hop, non, arrête. Voilà, regardez ça les gars, joli poisson de 42, bah, c'est le premier maillet de la saison. Voilà, pris au petit Dark Sleeper là, juste là. On va le décrocher, on va prendre une petite photo d'abord. Voilà les gars, hop. Nickel, merci à Mignac encore. Puis bah, voilà, joli barre de 42 pris au Dark Sleeper, juste sur la bordure ici. On va leur mettre à l'eau tout de suite. Allez mon gars, tu repars tout doucement. C'est bon, nickel. Yes, c'est bon ça. Un joli poisson, bah pris avec le Dark Sleeper encore. Impeccable. Impeccable. Moi je dis oui, on va continuer, j'avais encore quelques lancers à faire. Puis après on va y aller parce que le vent commence à se lever sévère quand même. Bon c'est nickel ça. Voilà les gars, c'est la fin de cette session. La fin de cette vidéo du coup. Donc j'ai réussi à toucher je crois 4-5 poissons. Je sais pas encore, je vais voir ça quand je vais trier les fichiers de la GoPro. Et j'en décroche pareil, peut-être 3-4. Donc une bonne session avec un leurre qui est un petit peu sorti du lot quand même, le Dark Sleeper. Voilà, j'ai réussi à faire. J'en ai décroché deux, j'ai dû en faire trois poissons avec le Dark Sleeper, dont le plus gros de la session, donc 42 cm. Donc, premier maillet, ça fait plaisir. Voilà, le maillet tout juste, donc ça fait plaisir. Voilà, donc c'est une bonne petite session voilà, qui a duré une matinée, qui a duré 3-4 heures, donc ça c'est nickel. Quelques poissons qu'on trouve en début de saison, sachant que c'est pas évident de pêcher en ce moment vu qu'il y a pas mal de vent, donc faut trouver les spots adaptés. Puis là je suis en train de quitter la session, enfin je vais partir parce que le vent commence à se lever, ça devient de plus en plus difficile à pêcher. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, le bouton juste en dessous, à liker, également le bouton juste en dessous, le petit pouce bleu, et à commenter si vous avez des questions, des remarques à faire, n'hésitez pas à des critiques constructives. J'en suis tout à fait preneur. Bon, je vous remercie d'avoir regardé, puis je vous dis à la prochaine. Ciao.